Salut tout le monde, moi c'est Shoacher. Je vais vous faire un petit tuto sur la nouvelle match qui va sortir. Alors là on est sur le test serveur. Il y a un mode dismatch, juste ici, combat practice. On va essayer. On va simplement essayer la nouvelle AR, la nouvelle AK et le nouveau shotgun. Alors qu'est-ce que c'est la différence? La nouvelle AR en fait, on va pouvoir avoir un tapping beaucoup plus rapide. Genre, ce sera plus un truc comme ça. Ce sera plus comme ça. On pourra tirer beaucoup plus vite. Là actuellement on a une AK en main. Alors comme vous voyez, ils ont réduit le full. La cadence de tir est beaucoup moins élevée. Voilà. Je vais pas vous mentir, je me suis déjà entraîné. Donc moi les gars, ce que je vous conseille, tout simplement, avec l'AK, faire un tapping plutôt lent. Genre pour tout ce qui est half distance, on va prendre plusieurs exemples là. Je vous conseille de faire un tapping lent. Le tapping c'est les clics-clics, comme ça. Plutôt un tapping lent comme ça. Vous tirez deux fois, à peine vous le touchez deux fois à cette distance, vous balancez un spray les gars. Alors comment bien spray à la casse, certains ils vont se demander. Comment spray bien tout droit comme ça? Moi en fait ce que je vous conseille, c'est de faire une sorte de L inversé. Un truc qui commence là et termine là, comme un crochet tu vois, un crochet qui part vers la gauche. Et vous vous accroupissez. Vous avez vu la cadence comparée avant? Oh, on a reçu une pépite. Voilà, en fait, maintenant, les lasers seront... Les lasers sont revenus, comme vous voyez. On peut retirer de façon laser avec la R. Ça, c'est... Au début, on peut vraiment faire des sortes de lasers. Et si on pisse bien... Si on vise vraiment bien les potes, il y a vraiment moyen de faire des bons trucs. Le laser est vraiment revenu de ouf. Trois balles. On arrête de viser, on se déplace, on en retire deux, c'est bon, le mec est mort. Les lasers à air sont vraiment impressionnants. Alors ça reste pareil, par contre à bout portant, on n'a aucune chance contre les nouvelles armes. Là, à cette distance, on va faire des exemples de spray AK qui peuvent bien marcher. Alors ça, c'est pas un exemple qui a bien marché, tu vois. À la distance, comme le mec est là-bas, du tapping et la meilleure des solutions les potes. Là, à cette distance où lui est, un gros spray accroupi, clairement la meilleure des choses à faire. Ah, on l'a eu malgré que lui tryhardait avec un makeshift. Un peu d'air. Je te vois toi. Vraiment l'air est monstrueuse. L'air sur un bon serveur sera monstrueuse. Elle pourra couler des tout taps à une vitesse folle. Regardez ça, il a pris 3 hits à quelle allure les gars. Donc vraiment les choses importantes les gars qu'il y a à retenir, c'est à cette distance, un petit tapping lent pour toucher tranquillement la personne quand la hitrex sera décidé à toucher. Et vraiment le mieux, à une distance où ce mec là se rapproche, un gros spray ira parfaitement. On va refaire un dernier exemple avec l'AR. La car reste quand même hallucinante. La car reste hallucinante les potes. Ah, shotgun. Ah, je sais pas trop dans quelle zone aller pour pouvoir tester le shotgun. J'ai l'impression qu'il y a que le code rush qui pourrait m'aider à voir s'il marche bien ou pas. Les gens qui prennent la ligne là où les gens spawnent font vraiment être une grosse merde. Grosse merde. Donc ouais, pour moi le shotgun a été amélioré clairement. Clairement il a été amélioré et c'est vraiment une super chose. On se fait passer pour un noob. Vraiment le shotgun est... Tiens, un collègue. Team Shotgun.
pas à dire, le... ce nouveau shotgun, malgré l'high-track de merde, marche vraiment excellemment bien. Bon, je pense que... on aura fait le tour de ce gameplay, les potes. On aura fait le tour de comment jouer sur ce mode deathmatch, etc. Avec les différents spawns. La petite map qu'ils ont créée, voici la map deathmatch. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Le petit récap, c'est pour jouer quelqu'un de loin à la AK, faites du tapping, faites du tap par tap. Rien ne sert de viser la tête, visez le, faites des body shots. S'il est au corps à corps que vous avez une AK, vous balancez un spray au niveau de l'entrejambe en faisant, comme je vous ai dit, une sorte de petit crochet comme ceci, L inversé, comme je peux appeler ça. Pour ce qui est de l'air, la cadence de tir est extrêmement élevée, donc tirez des balles, des rafales de 3-4, arrêtez, déplacez-vous et retirez une rafale de 3-4. Il en suffira 2 pour tuer la personne. Et pour le shotgun, je pense que le style que vous aviez adapté la dernière mage restera très bien, juste les boulettes seront beaucoup plus conséquentes. Ne tirez pas avec de loin, à partir de 5 mètres, le shotgun est complètement obsolète. Tirez dessus de près. Tirez de près, pardon. Mais en tout cas, voilà. C'était ma deuxième vidéo tuto. C'est la seule où je fais pas en live, où j'essaie de vous faire quelque chose de bien. J'espère que ça rendra pas mal. On verra au montage. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à toutes sur le live, les potes. Allez, peace!